Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fortnite. Alors je viens de lancer un petit rec un peu comme ça, de manière inattendue. Putain, ça tire à mort là, ils sont où là? Wow, ils sont juste en bas. Mais non. Un lama? Encore? Encore? Mais je fais que en trouver ou quoi? Dans ma précédente vidéo où j'ai fait un top 1 au C4, ma vidéo commence comme ça où je trouve un lama. Enfin, j'ai coupé. Sauf que là j'ai lancé et il y en a un. Regardez juste devant là, il y a un lama encore. What the fuck? En plus c'est extrêmement rare ce truc là. Je crois qu'il doit en avoir 3 dans chaque partie. J'ai encore trouvé un lama, les gars. Ça, c'est pour les screens, les gars. Vous inquiétez pas. Putain, il est stylé, quand même. Imaginez, je me prends une balle de snipe. Oh, on peut monter dessus. Stylé, stylé. Bon, allez, on va l'ouvrir, hein. On a beaucoup, en fait, de... je crois qu'on a des munitions pour chaque arme. Wouhou! Piñata! On a des munitions pour chaque arme. Regardez, ensuite, on a quoi? On a de la pierre. Je crois qu'on a 500 minimum de, ouais, de pierre, de bois et de métal. Ouais, je crois que c'est les 3, ouais. Attends, on va prendre le métal pour commencer. Ah ouais, ok, donc on a vraiment 500 de chaque truc. Ok, 500 de bois, 500 de métal. Et 500 de briques, logiquement. Ok, donc vraiment, on a 500 de chaque matériau. Et on a pas mal de munitions aussi, hein. Putain. Et on a de la popo aussi, quoi. Intéressant. Vraiment, vraiment stylé ce nouveau truc. C'est tellement rare, putain. Je suis très content de commencer ma partie et de directement trouver un lama. Bah écoutez, on va essayer de faire une bonne partie en faisant un petit top 1. Hein. Ah oui, bah je vais aussi en profiter pour vous poser une petite question. Toutes les personnes qui s'y connaissent bien en fait avec Fortnite et les nouvelles mises à jour et tout, où trouver des lamas? Est-ce qu'ils spawnent aléatoirement dans la map? Est-ce qu'on sait où les trouver? Parce que moi en fait, les deux lamas que j'ai trouvés pour le moment, je les ai trouvés à Shifty Shaft. Donc je sais pas s'ils spawnent toujours au même endroit ou si c'est aléatoire. Donc ceux qui le savent, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. J'entends un mec, j'entends un mec, j'entends un mec. Il a dû me voir rentrer. Vas-y, ramène ton cul. Ah, il est vraiment à côté, hein. Il est vraiment à côté de moi, là. Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il est parti, hein. Regardez-moi ce magnifique arc-en-ciel. C'est super stylé. Bon, écoutez, les gars, je crois que je vais me casser de chez la tower. C'est beaucoup trop la guerre, ici. Je vais me barrer d'ici, en fait. Par contre, j'ai pas d'armes de loin, à part une vieille AK, là. On fait les dernières caisses et on se casse. J'ai eu très très chaud. Je vais me remettre de la vie et de la popo. Et je me casse d'ici. Putain, j'ai eu chaud avec lui, hein. J'avais vraiment... J'avais plus de construit, les gars. Plus rien. Allez, on prend le snipe. Le lance-patate aussi, quand même, faut pas abuser. Et on se barre. Regardez la zone. Putain, elle était déjà là, quoi. Incroyable. Et merde! Bon, c'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, j'ai du bandage. Allez, 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 allez. Oh, y'a un mec là-bas, vous l'avez vu? Vous avez vu? Allez, monte ta petite tête, montre-la. Ça, c'était beau. Yeah, touché. Allez, on continue comme ça, on rate pas les balles. Allez, montre-toi, montre-toi. Je sais pas où elle est par contre. J'ai très peur en fait qu'on m'attaque sur le côté. Allez, montre-toi là. Ça va, y'a personne autour. Apparemment, ça va. Bon, allez, on se casse. Ça va, j'ai du bandage de toute façon. Pour la route. Ah, elle est loin la zone, hein. Putain. J'ai du bandage pour la route. J'ai un feu de camp aussi. Allez, plus que 10 personnes. C'est quoi ça, là? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, le mec, putain? Allez, on va essayer un peu de contourner tout ça. Comme je vous ai dit, je déteste me faire prendre par derrière, en fait, par des ennemis. Donc, je vérifie toujours, très souvent. Et je préfère passer sur les côtés en fait qu'en plein milieu. Tout simplement. Bon, nécessairement, de toute façon, même si je fais pas top 1, c'était plutôt une belle game. Ça va, 4 kills, c'est. Ah, un mec. Je préfère ne pas me faire repérer maintenant. Je vais essayer d'avancer un peu avec lui. De toute façon, on va au même endroit. On essaie de rentrer dans la zone, lui et moi. Par contre, là. Ah, il avance trop vite, il avance trop vite. Je vise quelqu'un, mais peut-être que quelqu'un me vise aussi, donc faut que je fasse très attention. Hein. Allez, on avance. J'aime pas passer ici, putain. C'est super grand, quoi. Y a pas beaucoup de trucs pour se protéger et on peut te voir vraiment de partout. Ah, là, par contre, je peux la voir, là. Bouge pas, bouge pas. Voilà. J'ai vraiment attendu, en fait, qu'il passe dans ma trajectoire parce qu'il s'est décalé un tout petit peu vers la droite. J'ai pas voulu bouger mon viseur parce que c'est très sensible, la souris. Donc, j'ai placé mon viseur, j'ai attendu que c'est lui, en fait, qui se place lui-même dans mon centre de tir, quoi. Allez, on va prendre ce qu'il y a. Ah, un petit feu de camp. Enfin, qu'est-ce que j'ai... Ouais, feu de camp, mais il y a aussi le truc le plus important. C'est le kit de soins. Allez, on va se mettre ça.
Ça va, je suis dans la zone. Ouais, ça va se finir sur Retail Row. Allez, ça va, je suis full. Ouais, je vais garder quand même le kit de soins. J'ai pas de popo. On va continuer tranquillement. Je vais quand même regarder derrière moi s'il y a pas quelqu'un. On ne sait jamais. Comme la zone est prise, en fait, je préfère pas du tout me presser. Hein. Ça sert à rien, là. Je vais même attendre ici un peu, en fait. Et quand la zone va repartir, je vais rentrer dans la zone aussi. Bon, apparemment, il y a personne derrière moi. Peut-être que je suis un peu trop paranoïaque sur ça. Allez, on va passer vers là-bas. Je le sens mieux. Peut-être qu'il y a des gens qui se cachent dans le dépôt. Hein. Ah, il y a un mec là, vous voyez. Au moins, je suis sûr qu'il y a personne derrière moi. S'il y a la zone derrière moi, c'est qu'il y a personne derrière. Putain, c'est très calme là. Hein. Tout le monde est de son côté, j'ai l'impression, et c'est très très calme. Vas-y, vas-y, construis. Attends, j'attends encore un peu. Et merde, je me suis fait repérer, c'est pas très cool ça. Bon, on avance, on avance. Ils sont en train de se fight, je vais en profiter pour les niquer. Hein. Ah, il est là. Voilà. Allez, on va se mettre full popo. Et on va se faire très discret. Voilà ce qu'on va faire. Allez, on va se barrer. On va continuer à faire ma technique. On contourne tranquillement. Ah, ça va vraiment être ce fight à Retail Row. Mais vraiment, vraiment, vraiment là. Ça par contre c'est intéressant. Ça c'est vachement intéressant. Allez, on construit à mort. Voilà, on est plutôt pas mal là. Faut juste que je repère les derniers maintenant. Allez, une dernière petite tour. Et on est bien. Ah, il est là, d'accord. On spam ou quoi? Soit on se montre, soit on attend encore un peu. Ah, il y a un mec aussi qui est là, putain. Faut que je fasse attention, moi. Faut que je fasse très attention, même. Putain, lui, il me fait peur, putain. Il est un peu plus en hauteur que moi, donc... J'ai peur qu'une balle, sa balle de snipe là elle passe par en haut et elle me défonce le crâne. Je vais me concentrer sur lui en fait. On commence l'assaut ou quoi? On commence à tirer? Allez, c'est parti. Ce que je fais là c'est pas du tout bien. Je m'attaque sur deux fronts en même temps. Ah, il rush. Le mec, il a préféré abandonner. Ça construit à ce que je vois. Allez, on se barre. On se barre, on se barre, on se barre. Allez, on se casse. On va rester calme un peu ici. Tranquillement. Allez, on se met à deux sur lui, vas-y. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Il a pas eu de pitié pour moi. Hein. Il a eu aucune pitié pour moi, le bâtard. Il me rush apparemment. Faut pas oublier qu'il y a le mec qui est derrière aussi.
Allez, j'ai l'avantage. Allez, faut que je me casse. Allez, plus qu'un mec, plus qu'un mec, plus qu'un mec. Putain, il me spam, il me spam. Wouh, plus qu'un mec. Allez. Allez, je bois ma popo, il pense que je suis juste là. Allez. Allez. Par contre, j'aimerais bien prendre le shield qui est là-bas, là. Il me cherche. Ah, le bâtard! Bien joué, bien joué. C'était un beau combat. Bien joué à toi. Bien joué, bien joué à toi. C'était un très très beau combat en tout cas. 6 kills et tout, c'était une belle partie. Bah écoutez, un énorme merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça aiderait énormément. N'oubliez pas aussi de commenter, dites votre avis sur la mise à jour, sur les lamas, etc. Ce que vous en pensez. C'était Studio Coco, je vous dis à très 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 bientôt sur Studio Coco Live.